بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc, comme vous avez pu l'entendre, le sujet du dars d'aujourd'hui, du cours, est comment atteindre la satisfaction dans nos actions, dans les actions que nous accomplissons pour Allah subhanahu wa ta'ala. Comme vous le savez, et cela sans doute mieux que moi, la sincérité est la clé de l'acceptation des bonnes actions. Allah, glorifié soit-il, n'accepte pas les actions qui ont été accomplies par des personnes qui ne sont pas sincères. Et pour bien comprendre ce précepte de sincérité, on se doit avant tout de définir ce qu'est la sincérité. La sincérité, les savants le définissent comme le fait de rechercher dans les actions qu'on accomplit, les bonnes actions dont je parle, uniquement la satisfaction d'Allah. La personne, elle ne recherche dans ses bonnes actions uniquement la satisfaction d'Allah. Elle ne désire, de par les bonnes actions qu'elle accomplit, uniquement le fait de se rapprocher d'Allah, le Tout-Puissant. Et dans son cœur, lorsqu'elle va agir, lorsqu'elle va accomplir ses bonnes actions, elle ne va pas chercher à être vue des gens. Elle ne va pas chercher à ce que les gens lui fassent ses éloges. Voilà ce qu'est la sincérité et voilà comme l'ont défini les savants de l'islam. Le fait de chercher dans ses actions la satisfaction d'Allah et le fait de se rapprocher de lui et de ne pas chercher à être vue des gens et à être élogié par les gens, qu'on nous fasse des éloges. Et ça, en réalité, c'est quelque chose de très profond. Le sens de la sincérité est une chose qui est profonde. Et c'est un secret qu'on essaye tous de trouver afin que nos actions soient acceptées par Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà pourquoi il a été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam la parole suivante: Al-ikhlasu sirrun bayna al-mar'i wa bayna rabbi ou bayna al-abdi wa bayna rabbi yastawdi'uhu Allah fi qalbi man ahabba min ibadi ou sirrun min asrari Allah yastawdi'uhu qalba man ahabba min ibadi. La sincérité, c'est un secret parmi les secrets d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est lui qui le met dans le cœur de celui qu'il aime parmi ses serviteurs. Donc si Allah subhanahu wa ta'ala met dans le cœur du serviteur la sincérité, au point que celui-là, lorsqu'il va agir, il va agir uniquement pour rechercher la satisfaction d'Allah, et non pas pour qu'on lui fasse des éloges de la part des gens, des êtres humains, les créatures, cette personne-là, eh bien, elle a en elle un signe qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'aime de façon particulière. D'autres savants, parmi eux, l'imam Abu Uthman a défini la sincérité par ce qui suit. Il a dit « Al-ikhlas nisyanu ru'yatil khalq bidawami nazari ila al-khaliq. » La sincérité, c'est le fait d'oublier le regard des gens. Ne pas rechercher dans le regard des gens une satisfaction ou une forme d'éloge. La personne, lorsqu'elle œuvre, elle accomplit les bonnes actions, elle ne recherche uniquement Allah, que Allah subhanahu wa ta'ala. Elle n'a que faire de ce que va penser les gens de lui. Ne pas oublier plutôt, oublier le regard des gens et se concentrer uniquement et continuellement sur ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, la place qu'on a auprès de lui.
Voilà comme l'ont défini d'autres personnes la sincérité. Et comme vous le savez, la sincérité, c'est quelque chose de difficile à acquérir. C'est un but qui n'est pas facile d'atteindre. Et en réalité, c'est un travail que l'on fait sur soi-même tout au long de notre vie. C'est un jihad de nafs, un combat contre soi-même qu'on va mener tout au long de notre vie afin d'arriver à être le plus sincère possible. Par conséquent, nul ne peut se prétendre être sincère dans ses actions. On espère être sincère, on espère avoir la sincérité, mais personne ne peut dire, voilà, moi, lorsque j'accomplis mes actions, je suis sincère. Et je suis quelqu'un qui ne recherche uniquement que l'agrément d'Allah. Au contraire, une personne qui va tenir ce genre de propos, il y a dans le fait de tenir ce genre de parole un signe d'un manque de sincérité. Parce que la personne qui est sincère, qui cherche à être sincère et que Allah subhanahu wa ta'ala le compte parmi ceux dont il va accepter les adorations, elle n'a pas cette hautaineté, elle n'a pas cette vantardise lorsqu'elle va s'exprimer. Elle va dire, j'espère être sincère. J'espère que Allah va me compter parmi les sincères. Mais ce n'est pas moi qui va prétendre moi-même être sincère et me vanter et être sûr de moi au point de croire que je fais partie des gens du paradis et que mes actes sont sûrs d'être acceptés parce qu'ils sont particuliers, ne sont pas comme les actes qu'accomplissent les autres personnes. C'est un manque de modestie envers Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà pourquoi l'imam Ya'qub As-Sousi nous dit « Mata shahidu fi ikhlasihim al-ikhlas, ihtaja ikhlasuhum ila ikhlas. » Lorsque la personne considère être sincère, lorsque la personne voit dans ses œuvres une forme de sincérité, alors en réalité, c'est que sa sincérité a besoin de sincérité. Dans le sens où il se doit de se renouveler, de renouveler son intention et de renouveler sa sincérité. Parce que le musulman, il ne se vante pas comme ça. Au contraire, devant Allah, son créateur, il se montre modeste. Et il espère avoir la sincérité. Et il va invoquer Allah pour qu'il lui accorde cette sincérité. Voilà pourquoi lorsque l'on prie, nous les musulmans, lorsqu'on prie nos prières quotidiennes, les 5 prières que l'on effectue tous les jours, on demande à Allah, subhanahu wa ta'ala, cette sincérité. Et on répète une formule dans laquelle il y a l'expression un peu de cette sincérité. Et on dit, ce qui va suivre, « Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. » Iyyaka na'budu, c'est toi seul que nous adorons. Nous voulons, de par notre adoration, n'adorer que toi. Nous ne recherchons personne en dehors de toi dans nos actions. Au contraire, nous recherchons que ton agrément et qu'à nous rapprocher de toi, ya Allah. Et nous te demandons de nous écarter du fait de vouloir se rapprocher d'autre que toi dans une adoration qui est censée être vouée uniquement qu'à toi. Iyyaka na'budu, c'est toi seul que nous adorons, wa iyyaka nasta'in, et c'est à toi que nous demandons de l'aide. Et pourquoi nous te demandons de l'aide, ya Allah? C'est parce que t'adorer seul, être sincère dans nos adorations, dans nos actions, et ne vouloir uniquement que ton agrément, est quelque chose qui nécessite ton aide. Voilà pourquoi nous te supplions et nous venons à toi modestement pour te demander de nous aider à acquérir cette sincérité que l'on espère tant avoir dans nos actions. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans bien des hadiths, exhorte ses compagnons, et sa communauté tout entière d'ailleurs, à être sincères dans leurs actions. Et il est plus important d'être sincère dans nos actions, quand bien même on accomplirait peu d'actions, que d'accomplir beaucoup d'actions sans pour autant dans celle-là être sincère. Il est préférable de faire peu d'actions avec une concentration en désirant être sincère, en désirant qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte de nous, en désirant son agrément uniquement et non le regard des créatures, plutôt que d'accomplir bien des actions, nombreuses actions,
en recherchant l'agrément d'autres qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Akhlis dinak yajzika al-amalul qalim » « Fais en sorte d'être sincère dans ta religion, alors tu auras la récompense même avec peu d'action. » Même en accomplissant peu d'actions, Allah subhanahu wa ta'ala va t'accorder les récompenses et va te compter parmi ceux qu'il aime. Voyez-vous, mes chers frères, à quel point la sincérité est importante. C'est la clé de notre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et parmi les imams qui ont parlé sur cette sincérité, nombreux imams ont écrit sur le sujet, voire la quasi-totalité des imams, tellement le sujet est grand et tellement il est important. Mais il y en a un qui a écrit de façon particulière sur le sujet. Et c'est l'imam Ibn Ata'illah al-Sakandari, rahimahullah. Et il nous dit dans l'une de ses sagesses, il a un livre, un recueil de sagesse, de conclusion auquel il est arrivé dans son cheminement spirituel. Et ce recueil, il l'a nommé Al-Hikam al-Ata'iyya, les sagesses d'Ibn Ata'illah, ses propres conclusions spirituelles. Et dans une de celles-là, il nous dit « Al-a'malu suwarun qa'ima wa arwahuha wujudu sirri l'ikhlasi fiha » Ce que l'on pourrait traduire par « Les actions que l'on accomplit ne sont que des images, ne sont que des images dressées, des silhouettes. Ce sont juste des formes. Lorsqu'on bouge, on se prosterne, on s'incline, toutes ces actions ne sont uniquement que des ombres, des formes. Et leur âme, c'est la sincérité qu'il va y avoir à l'intérieur de ces silhouettes, à l'intérieur de ces actions que l'on accomplit. La sincérité est l'âme de l'adoration. Dans le sens où la personne qui vient avec des adorations, des actes d'adoration dans lesquels il n'est pas sincère, c'est comme s'il venait avec des actes morts. C'est comme s'il venait avec des actions mortes, des œuvres mortes, dépourvues de vie. Comment pouvons-nous venir à Allah subhanahu wa ta'ala avec des actions dépourvues de vie? Imaginez, mes chers frères et sœurs, qu'une personne qui serait esclave, qui serait suppôt, qui serait une personne à la tête de qui il y a un émir, un roi. Imaginez que cette personne venait à son roi en lui disant « J'ai un cadeau pour toi, j'ai une servante que je vais t'offrir. » Et ce roi, lorsqu'il va chercher à voir cette servante, voilà que cette personne lui présente un cadavre, lui présente une servante morte et lui dit « Voilà la servante que je voulais t'offrir. » Cette personne-là ne mériterait-elle pas d'être châtiée, d'être punie pour être venue avec ce genre de moquerie, voir son roi? Alors que dire de la personne qui va vers Allah subhanahu wa ta'ala et qui va le voir avec des actions mortes, des actions dépourvues de vie, pardonnez-moi. Nul doute que cette personne-là est encore plus enclin à être châtiée, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve. La personne qui vient à Allah subhanahu wa ta'ala avec des actions dans lesquelles il a cherché autre qu'Allah, dans lesquelles il n'a pas cherché Allah, eh bien lui, se met sujet ou s'expose à un châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car Allah n'agrée de ses serviteurs uniquement les actions qui sont accomplies dans le but de rechercher sa satisfaction et dans le but de se rapprocher de lui. Et en réalité, il y a dans la sincérité la concrétisation du tawhid. L'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce n'est pas juste le fait d'énumérer des règles théoriques, mais c'est quelque chose qui se vit dans notre quotidien. C'est un effort qui se fait dans notre vie de tous les jours, et particulièrement lorsqu'on accomplit nos adorations quotidiennes. On se doit de s'efforcer à chaque instant, à chaque moment, à chaque fois que l'on œuvre, à être sincère et à vouloir Allah subhanahu wa ta'ala de par nos actions et à ne pas vouloir autre que lui.
La personne, lorsqu'elle va œuvrer, si elle se met à vouloir l'agrément des gens, elle va rentrer dans un cercle infernal duquel elle ne va jamais sortir. Elle va chercher l'agrément d'une personne. Si un jour elle est amenée à obtenir cet agrément, cette satisfaction, la voilà qu'elle va se mettre à chercher l'agrément d'une autre personne, puis une autre personne, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et cela ne va jamais se terminer. Elle passe d'une créature à une autre créature, un monde à un autre monde. Au lieu de rechercher la satisfaction de son Seigneur, le Créateur, Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, wa anna ila rabbika al-muntaha. Et c'est vers ton Seigneur que les choses aboutissent. La personne, lorsqu'elle va œuvrer, il faut qu'elle se montre reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne faut pas qu'elle fasse preuve d'orgueil lorsqu'elle va se mettre à accomplir des actions, lorsqu'elle va œuvrer, si elle veut atteindre cette sincérité. Il faut qu'elle se montre reconnaissante envers Allah de lui avoir facilité à accomplir ses actes d'adoration. Si réellement elle désire la sincérité dans ses actions. La personne, lorsqu'elle œuvre, elle se montre modeste. Elle se dit « Alhamdulillah, mes œuvres sont peu, elles sont déficientes. » Elle doute de ses œuvres. Dans le sens où elle cherche à se perfectionner lorsqu'elle accomplit ses œuvres pour Allah subhanahu wa ta'ala, et non pas à se dire c'est fini, je suis une personne qui est sincère, donc tout est gagné pour moi. Mais au contraire, à chaque fois qu'elle va œuvrer, elle va se dire il faut que je m'améliore. Je doute de moi, je doute de mes œuvres. Suis-je réellement sincère dans mes actions? Il faut que je redouble d'efforts. Et je suis content qu'Allah subhanahu wa ta'ala m'a permis d'agir parce que cela ne vient pas de moi. C'est lui qui m'a facilité à accomplir ces adorations que j'accomplis dans ma vie quotidienne. Et Allah nous dit « قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُ » Et dit « C'est par le bienfait d'Allah et par sa miséricorde. Et c'est à cause de cela que nous sommes joyeux, nous sommes contents. » Parce que c'est par le bienfait d'Allah, subhanahu wa ta'ala, que la personne trouve en lui la capacité, la volonté d'aller à la mosquée. Que la personne trouve en elle, pardonnez-moi, la volonté d'aller à la mosquée, c'est par le bienfait et la miséricorde d'Allah que la personne trouve en elle la saveur de l'adoration. Et ça, en réalité, c'est quelque chose qu'Allah, il donne à ses serviteurs. Ils se doivent de se montrer reconnaissants envers Allah, subhanahu wa ta'ala. Et de ne pas se montrer orgueilleux envers lui et à se dire que tout l'aurait dû alors que c'est Allah qui leur donne cette réussite. Et la personne qui veut vraiment atteindre l'excellence dans sa sincérité, lorsqu'elle va œuvrer, écoutez-moi bien, là j'attire votre attention sur une information méconnue de bien des personnes, lorsqu'elle va œuvrer, certes, il lui est possible de vouloir dans ses actions le paradis. Au contraire, c'est ce que nous recherchons tous lorsqu'on adore Allah subhanahu wa ta'ala. Nous voulons tous rentrer au paradis et nous voulons tous nous affranchir ou nous être écartés plutôt du feu de l'enfer. C'est quelque chose qui est demandé par tout le monde et qui est voulu par tout être humain. Rentrer au paradis et échapper au feu de l'enfer. Naam. Mais la personne, en réalité, certes, ça c'est une intention qui est louable, le fait de vouloir s'échapper ou échapper à l'enfer, c'est une intention qui est louable. Et au contraire, dans le Coran même, c'est demandé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a demandé de demander protection contre l'enfer, 7 fois même dans la journée. Et 7 fois, il nous a demandé de demander le paradis à Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a pas de souci sur ça. Mais la personne qui est vraiment au summum de la sincérité, wallahi, lorsqu'elle œuvre, elle ne recherche même pas cette récompense qu'est le paradis en soi. Ce n'est pas sa priorité, plutôt, dans ses actions. Et sa priorité, ce n'est ni de rentrer au paradis, sa priorité, bien évidemment,
ce n'est ni de rentrer au paradis ni d'échapper à l'enfer. Mais sa priorité, c'est de satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala. Et la personne qui atteint ce degré de sincérité, sa récompense, c'est le fait d'accomplir ses actions. Sa récompense, ce qui va la rendre heureuse à cette personne, c'est lorsque il va se mettre debout devant Allah subhanahu wa ta'ala pour accomplir sa prière. Cette récompense, elle est plus grande que toutes les autres récompenses qu'il pourrait avoir tellement il est sincère dans son cœur. Et tellement il cherche l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on trouve parmi les arrafoun, les savants qui sont versés dans la connaissance d'Allah et dans la purification de l'âme, dans le cheminement spirituel, on trouve parmi eux ceux qui nous disent que la personne qui œuvre uniquement pour échapper au feu de l'enfer accomplit l'adoration des esclaves. Ibadatul mamlouk. Elle cherche uniquement à s'affranchir du châtiment. Comme si elle cherche à s'affranchir uniquement du châtiment de son maître. Ce n'est pas quelque chose de blâmable, mais c'est un degré qui n'est pas encore le top, qui n'est pas encore l'excellence. Pareil pour la personne qui ne recherche dans ses actions uniquement que le paradis en soi. Eh bien, cette personne-là, elle accomplit l'adoration des commerçants. De par son adoration, elle veut une compensation. Comme j'ai fait ça, ben, je mérite le paradis. Alors qu'en réalité, tu te dis mériter cette récompense pour une chose que toi tu as faite, alors qu'en réalité c'est Allah qui t'a guidé à faire cette chose-là. Tu ne mérites rien. C'est Allah qui t'a guidé à accomplir cette action et par la suite il te récompense du paradis. Mais ce n'est pas toi qui t'es guidé toi-même. Voilà pourquoi les gens du paradis, lorsqu'ils vont accéder au paradis, la première chose qu'ils vont dire c'est « Alhamdulillah illadhi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. » Louange à Allah, celui qui m'a guidé à cela, à ceci. Et nous ne serions pas guidés nous-mêmes si Allah n'avait pas voulu. Donc la personne, c'est encore qui recherche uniquement le paradis dans ses actions, c'est encore une intention qui n'est pas au summum de l'intention ou au summum de la sincérité. Pourquoi ? Parce que le paradis, l'enfer, tous deux sont des créatures. La personne qui cherche à s'échapper de l'enfer, elle cherche à s'échapper d'une créature. Et la personne qui cherche l'agrément d'Allah, la personne qui cherche le paradis, elle cherche, de par ses adorations, toujours une créature. Mais le summum de l'adoration, Allah, le summum de la sincérité plutôt, c'est le fait d'adorer Allah. Certes, on veut le paradis, à la fin, on veut être échappé de l'enfer. Mais avant tout, le summum de la sincérité, c'est lorsqu'on adore Allah avec désir et volonté surtout de le satisfaire et qu'il soit content de nous, qu'il nous agrée. Et ça, c'est ce que les savants versés dans le cheminement spirituel, dans la science du cheminement spirituel, ont appelé à ibadatul ahrar, l'adoration des gens libres. Ce n'est pas le fait de s'échapper du châtiment qui les intéresse en soi le plus important pour eux. Ce n'est pas le fait de rentrer au paradis, certes, bien sûr, on le veut tous. Mais c'est avant tout de satisfaire Allah et je ne le fais que pour cela. Et ça, c'est un degré très, 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 très haut qu'Allah subhanahu wa ta'ala accorde à l'élite de ses serviteurs et parmi eux les envoyés, les prophètes, al-anbiya. Voilà pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme vous le savez, lorsque la nuit, son épouse Aïcha radiallahu anha le trouvait en train d'accomplir de nombreuses prières au point que ses pieds changeaient de couleur tellement il restait debout. Voilà qu'elle lui dit, Ya Rasulallah, ô messager d'Allah, pourquoi pries-tu autant ? Alors qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, t'a déjà pardonné tes péchés passés et tes péchés futurs. Pourquoi, malgré cela, pries-tu à ce point autant, avec autant de temps? Et voilà que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a lui de dire « Afala akunu abadan shakura » et pour cela, ne devrais-je pas me montrer reconnaissant envers mon Seigneur? Ne devrais-je pas être un serviteur reconnaissant envers mon Seigneur? C'est ce que je recherche dans mon adoration. Je cherche uniquement la reconnaissance
d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je cherche uniquement sa satisfaction, son agrément. Comme l'a dit l'imam al-Busayri lorsqu'il parle de ce hadith-là, il nous dit « Ghalamtu sunnata man ahya al-dhalaba ila anishtakat qadamahu durra min warami » Nous avons été injustes, ou j'ai été injuste envers la sunna de la personne qui veillait la nuit en prière au point que ses pieds se plaignaient de lui et changeaient même de couleur. Et la personne vraiment qui cherche l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala dans son adoration et uniquement l'agrément d'Allah et non pas même de récompense, mais vraiment il veut juste être avec Allah lorsqu'il l'adore, eh bien cette personne-là, Allah subhanahu wa ta'ala l'a choisi pour faire partie de l'élite de ses serviteurs. Et pour atteindre la sincérité, parmi les moyens par lesquels le serviteur arrive à la sincérité, il y a le fait de ne pas chercher à être vu lorsque nous accomplissons des actions d'adoration, des actes d'adoration. Le serviteur, s'il veut vraiment être sincère, il va tout faire pour accomplir ses actes d'adoration de façon cachée. Et surtout, lorsqu'il ne va voir aucun intérêt à les faire de façon manifeste, à les accomplir devant les gens. Parfois, il peut avoir un intérêt à accomplir les actions devant les gens. Oui, risque de vous étonner, parfois il y a quelques intérêts. Le fait, par exemple, de vouloir motiver les autres en se disant s'ils me voient le faire, ça va les motiver à l'accomplir. Oui, parfois il y a ce genre d'intérêt dans le fait d'accomplir les actions devant les gens. Mais lorsqu'il n'y a aucun intérêt, le musulman intelligent, il fait tout pour ne pas être vu dans ses actions, afin que son action reste entre lui et Allah subhanahu wa ta'ala, afin que son action soit préservée de l'ostentation, qui est le fait de chercher la satisfaction ou les éloges ou à être bien vu d'une quelconque créature. On trouve parmi les imams, chez les salaf salih, et parmi eux, l'imam Ibrahim al-Nakhai, rahimahullah, que lorsqu'il lisait le Coran, il était chez lui ou à la mosquée, il lisait le Coran, une personne rentre pour le voir et pour le saluer, le voilà qu'il prend une serviette et qu'il cache le mushaf, il cache son Coran, pour que personne ne sache qu'il lit le Coran. Il veut que cette action reste entre lui et son serviteur, et entre lui et son Seigneur, pardonnez-moi. Il veut que la seule personne qui l'ait vu lire le Coran, ce soit son Seigneur. Il ne veut pas que cela soit gâché par une quelconque souillure qui pourrait rentrer dans son cœur et qui pourrait l'amener à être une personne qui va chercher la satisfaction d'autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que c'est quelque chose qui vient vite. Ar-riya, c'est quelque chose qui vient vite, qui se glisse rapidement dans l'adoration. Et là, j'en profite pour faire une petite nasiha, un conseil concernant les réseaux sociaux, l'utilisation abusive parfois des réseaux sociaux dans la da'wa, dans le fait de prêcher à l'islam. Sachez que les réseaux sociaux, c'est quelque chose, ça peut être vu comme une ni'ma, un bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'avec ces réseaux sociaux, comme on le fait actuellement, il nous est possible d'atteindre beaucoup de personnes lorsqu'on va évoquer et parler d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il nous est possible de transmettre le message, de transmettre le Coran à un maximum de personnes. Mais parfois, mes chers frères et sœurs, et je le dis avant tout à moi-même, c'est un conseil que je m'adresse avant tout à moi-même, la limite avec ces réseaux sociaux entre la sincérité et l'ostentation, bien évidemment, nous n'accusons personne d'être ostentatoire. C'est quelque chose qui est dans le cœur entre Allah et son serviteur, entre son serviteur et son Seigneur Allah. Mais néanmoins, pour nous-mêmes, la limite entre le fait de se servir de ces réseaux sociaux pour propager l'islam et servir la cause de l'islam et propager une bonne parole, ou la limite entre cela et l'ostentation, Allah, parfois, elle est tellement fine qu'il est difficile de la cerner. Donc, il convient
d'utiliser ces réseaux sociaux, certes, pour ce qu'il plaît à Allah subhanahu wa ta'ala, mais de façon intelligente, et toujours se poser la question, suis-je sincère lorsque je vais écrire telle parole dans ce réseau social, dans ces réseaux sociaux ? Suis-je sincère lorsque je vais partager cette vidéo dans ces réseaux sociaux ? Suis-je sincère lorsque je vais faire telle et telle chose dans ces réseaux sociaux ? Il convient impérativement toujours de se poser la question, sommes-nous sincères ? Sommes-nous sincères ? Sommes-nous sincères ? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala à chaque moment nous voit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam considère cela comme étant, nous explique que cela fait partie de al-ihsan, la bienfaisance. An ta'bud Allah ka'annaka tara fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Le fait d'adorer Allah comme si toi tu le voyais. Car si toi tu ne le vois pas, eh bien sache que lui te voit. Même lorsque tu es devant tes réseaux sociaux, devant l'ordinateur, et que tu penses que personne ne te voit, sache que Allah subhanahu wa ta'ala te voit, et c'est parfaitement ce que contient ce qui est dans ta poitrine. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme je le disais précédemment dans bien des hadiths, nous exhorte à être sincères et nous exhorte à ne pas annuler nos actions après les avoir accomplies en sortant dehors et en criant sur tous les toits, voilà, j'ai fait telle action, j'ai pu accomplir telle et telle prière, j'ai lu tel nombre de chapitres du Coran. Normalement, le musulman, il essaye d'être discret lorsqu'il accomplit ses actions. Encore une fois, pour que Allah subhanahu wa ta'ala le compte parmi les gens sincères et pour qu'il soit protégé des souillures morales qui vont atteindre son action et la rendre caduque, c'est-à-dire la rendre vaine, l'annuler. Voilà le prophète alayhi salatu wa salam qui nous dit dans le hadith « Iza kana yawmu sawmi ahadikum » إذا كان يوم صوم أحدكم فليدهن رأسه وليمسح شفتيه فإذا خرج إلى الناس رأوا أنه لم يصم. Lorsque la personne est en état de jeûne, bien sûr, particulièrement en dehors du mois de Ramadan, parce que le Ramadan, généralement, on sait très bien que les musulmans y jeûnent. Mais lorsque la personne est en état de jeûne, particulièrement en dehors du mois de Ramadan, et qu'il est amené à sortir, alors qu'ils mettent de l'huile, de la crème sur son visage, aujourd'hui on va dire de la crème, afin de ne pas avoir le teint d'une personne fatiguée, et qu'il hydrate ses lèvres, afin que les gens ne voient pas que cette personne-là a les lèvres d'une personne qui ne s'est pas restaurée, qui n'a pas mangé. Que cette personne-là soit discrète, que n'apparaissent pas les traces du jeûne dans son visage, qu'elle se montre discrète et qu'elle se montre surtout comme étant une personne qui ne veut pas être vue par les gens comme étant un grand adorateur. Que cette personne-là fasse preuve de modestie. Que cette personne-là ne cherche pas à être vue par les gens. Elle va mettre une crème hydratante, elle va s'hydrater les lèvres, personne ne sait qu'elle a jeûné, elle sourit aux gens. Elle se comporte comme si elle avait la pêche, afin que les gens ne puissent même pas douter qu'elle est en état de jeûne. Pourquoi ? Parce qu'elle se cache, elle cache son adoration. Elle veut vraiment que cette adoration soit entre elle et Allah subhanahu wa ta'ala, entre sa personne et Allah le Tout-Puissant subhanahu wa ta'ala. Elle ne veut pas risquer que rentre dans son cœur rapidement une chose qui va souiller son adoration, et cette chose n'est autre que l'ostentation. Elle cherche à être sincère et à se rapprocher d'Allah et ne donne aucune importance à ce que vont penser d'elle les créatures. Et cette personne-là, c'est celle qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est à celle-là qu'Allah subhanahu wa ta'ala va accorder la sincérité. Elle a oublié le regard des gens et ne se préoccupe uniquement que de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala le considère et comment il est considéré auprès de lui. Donc on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder la sincérité. Et sachez, pour finir, que la sincérité,
dont nous avons parlé, dont nos actions émanent avant tout du cœur. Pour que nos actions soient sincères, il faut avoir un cœur. Pour que nos actions soient pures, uniquement pour Allah, il faut avoir un cœur qui est pur et dans lequel il n'y a rien d'autre si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. C'est parce que dans le cœur de certaines personnes, il y a les gens, que lorsqu'ils vont œuvrer, ils vont œuvrer pour les gens. Mais si nos cœurs sont purifiés, illa man atallah bi qalbin salim, que nos cœurs soient sains et que nous quittons ce bas monde avec un cœur sain, que nous nous efforçons d'avoir ce cœur sain dans lequel on va faire en sorte qu'il n'y a que Allah, automatiquement nos actions ne seront faites que pour Allah subhanahu wa ta'ala. Je vais m'arrêter sur ce point et je demande à Allah, as'aluhu an yaj'alana min al-mukhlisin. Je le demande qu'il nous fasse, qu'il nous compte, qu'il fasse de nous des personnes sincères. وأن يتقبل منا وكيل accepte de nous وأن يرزقنا الإخلاص في جميع أعمالنا et qu'il nous accorde de la sincérité dans toutes les actions que nous accomplissons. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك الله فيكم. جزاك الله خيرا وحفظك الله ومن ضمن الله سبحانه وتعالى de nous donner la sincérité et faire l'invocation pour clôturer, Inch'Allah, notre assise qui se veut spirituelle. Et bien sûr, comme on le rappelle à chaque fois, toutes ces conférences et tous ces rappels qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous écrit dans notre subsistance, elles doivent être suivies tout d'abord d'intention et ensuite de pratique. Et si on écoute tellement de conférenciers, tellement de belles conférences, tellement de belles allocutions, mais qu'in fine, il n'y a pas de pratique, il n'y a pas d'impact, alors ça veut dire qu'on a mal écouté ces conférences. Et pourvu que dans tout ce qu'il a dit notre frère, cher Ala Ali, il y ait un élément ou peut-être deux ou trois éléments que vous allez retenir dans votre esprit et que vous allez faire en sorte de mettre en pratique, alors on aura gagné quelque chose, Inch'Allah. Taqabbalallahu minna wa minkum. On fait les invocations. Nabi alayhi salatu wa salam clôturait les assises par cette invocation subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk amanna su'an wa dhalamna anfusana fa illam taghfir lana fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin alhamdulillahi rabbil alamin wa demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous protéger nos enfants et de nous donner la sincérité et de faire en sorte qu'on soit toujours là où se trouve le bien et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous utilise toujours dans les actions de bien. Rendez-vous, Inch'Allah, tout à l'heure pour le hizb du soir, Inch'Allah, à 20h30, comme à notre habitude. Jazakum Allah khairan. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter notre projet pour nos enfants. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Assalamu alaykum. Hayyakum Allah. Hayyakum Allah. Jazakallahu khairan. Et bien sûr, si je ne te remercie pas au nom des frères, ça ne se fait pas. Donc, je te remercie au nom de la mosquée. Jazakallahu khairan. Et comme à chaque fois, c'est agréable de t'écouter. Hafidakallahu ra'a. C'est toujours un plaisir. Jazakallahu khairan. Et bien sûr, cher Abdel Hakim, cher Youssef, et les autres que je ne connais pas forcément. Mashallah, j'apprécie votre. Et bientôt, tu nous visiteras comme à ton habitude, Inch'Allah. Jazakallahu khairan. Et j'apprécie votre mosquée. J'apprécie ce que vous faites, surtout ce que vous faites pour les enfants. Votre mosquée m'a toujours touché depuis le début. آمين آمين يا رب يا رب يا رب وحفظكم الله ورعاكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته